Si dans de nombreuses villes en France, la réforme des rythmes scolaires a provoqué pas mal de remous, particulièrement le mercredi, à Saint-Hilaire-d'Ozillan, les parents ne s'inquiètent plus au moment de faire la transition entre école et centre aéré. Car ici, une calèche récupère Evangelina, Jade et leurs copains à la sortie de l'école pour les déposer 5 km plus loin au centre aéré de Romont. Je pense que pour les enfants, c'est très plaisant. Alors pour les tout-petits, il y a eu une petite appréhension parce que je pense que voilà, de monter avec des gros chevaux sur voilà, un moyen de transport qui est un petit peu impressionnant pour eux avec ces chevaux, ça a été peut-être un petit peu délicat. Depuis, je vous rassure, tous veulent s'asseoir aux côtés de Doumé le cocher. Jamais avare d'explications sur la nature environnante et toujours prêt à faire plaisir à ces jeunes passagers. Jade, parfois avec Zoé, ma copine, bah on va devant et le monsieur, il va au trot parfois. Tu n'as pas peur ? Non. Allez, on fait un petit galop alors ? Ouais ! Allez, hop, hop ! Aussi installer des après-midi pédagogiques avec la découverte de leur patrimoine, découverte des vignes, de tout notre territoire en fait grâce à l'attelage. On a une allure qui permet de vraiment découvrir tranquillement. Dans cette petite commune de 1000 habitants, on a su se montrer inventif et responsable, car outre le côté écologique de l'initiative, la mise en place d'un quart de ramassage scolaire aurait coûté beaucoup plus cher.